Et salut tout le monde, c'est DualShock et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ces InfoShock. Troisième épisode, il me semble. Donc ça fait 5 semaines que le premier épisode est sorti et 3 semaines que le deuxième est sorti. Si vous regardez bien sûr cette diffusion, enfin, si vous regardez cet épisode maintenant, c'est-à-dire dès sa date de parution. Enfin, on va dire ça comme ça. Eh bien, justement, ça fait 5 semaines que le premier est sorti et 3 semaines le deuxième. Donc, on va parler de nouveaux Let's Play. Alors, je vais vous parler notamment de deux nouveaux. Alors, il y en a un qui sera pas vraiment Let's Play et un qui sera vraiment Let's Play. Donc, je vais vous en parler plus profondément. Mais avant, une petite info. C'est que les infos chocs. Eh bien, elles auront un rythme de diffusion de 2 semaines. Donc maintenant, je suis confirmée que ce sera 2 semaines. Donc voilà. Je voulais vous dire ça. Alors, nous allons passer aux choses que je voulais vous dire bien profondément. Voilà. Alors, déjà, vous devez vous demander pourquoi c'est pas le fond Pikachu que je vous fais à chaque fois? Eh bien, c'est tout simplement parce que je suis chez ma famille à Paris et j'ai pas pensé à ramener mon petit Pikachu. Donc, je ne peux pas vous le faire. Donc, j'ai décidé de prendre mes 2 DS, c'est-à-dire la rouge là, qui est en fait celle de Killer. Et la bleue en dessous qui est la mienne. Donc voilà. Donc je vais aussi vous parler des Let's Play comme je vous l'ai dit. Alors il y a le premier demi-Let's Play, c'est même pas un Let's Play. C'est Minecraft. Avec Killer, Play Black et 3 autres Youtubers qui commencent à se créer une chaîne. Enfin qui doivent commencer à se créer une chaîne. On va faire un FK. Ce sera du 2v2v2. Le problème, c'est que ils ont pas de chaîne YouTube. Il faut que tout le monde filme pour que ce soit plus amusant. Donc voilà. C'est comme ça. Et je vous dirai les règles plus en détail au moment de l'apparition du premier épisode, je pense. Je ne sais pas si les épisodes je ferai 20 minutes ou 10 minutes. Ça dépend parce que au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore validé mon compte YouTube. Donc je ne peux. Comment dire? Ah! Je ne peux diffuser, voilà, que des vidéos de moins de 15 minutes. Donc c'est assez problématique. Donc c'est pour ça je vais essayer d'arranger ça. Par contre, seul petit défaut, c'est que pendant ce FK, je pense qu'on sera tous avec un micro, mais vous ne pourrez pas entendre les autres. Je bouge un peu, hein. Donc je pense que vous ne pourrez pas entendre les autres. Donc ce sera assez problématique, vous pourrez... Je ne sais pas si vous pourrez entendre Killer, parce que c'est pas sûr qu'on puisse jouer juste à côté. Donc voilà. Donc, on dira les équipes plus tard. En plus, faut qu'on améliore la map. Faut qu'on crée des limites. Et on n'aura pas de plugin, puisque ce sera sur PS3. Voilà, des avions, c'est bien. On s'en fout. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc, en tout cas, il n'y aura pas de plugin. Donc il n'y aura pas de plugin pour pouvoir le plugin pour voilà. Donc je disais, il n'y aura pas de plugin pour pouvoir ne pas poser de bloc hors de sa surface de terrain. Donc il faudra se faire confiance. Essayer de pas faire d'erreur. Et pour les micros, il va falloir se faire confiance parce que
comme on pourra pas se parler comme ça sur Skype, le problème c'est que on pourra pas. Faudra se faire confiance, faudra désactiver le micro des autres. Donc voilà. Donc c'est tout pour l'arrivée du FK. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un let's play que j'ai adoré. Alors, je vous le dis, c'est un let's play que beaucoup de gens devraient connaître. Je vais vous le montrer, ça fait longtemps qu'il est sorti. On peut encore y jouer sur émulateur. Mais je vous le dire, je vais vous le dire, c'est celui-là. Voilà. Oups, c'est là. Petit fail. Zelda The Minish Cap. Voilà. Alors, ce let's play m'a beaucoup marqué. C'est un jeu, mais magnifique. Par contre, j'ai bien galéré pour le finir, ça, je dois vous l'avouer. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'est en allant chez mes grands-parents que je l'ai retrouvé avec une Game Boy. J'ai pas pris la Game Boy. Mais c'est une Game Boy assez classe parce que elle est dorée et elle a le logo de la Triforce. En fait, c'était dans un pack que j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà. C'est Zelda The Minish Cap, c'est un jeu mais totalement magnifique. Je pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué dans toute ma vie. J'ai bien galéré. Par contre, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes, je les connais pas toutes. J'ai même essayé de rusher un peu le jeu, juste histoire de connaître un peu l'histoire. Pour pas essayer de galérer quand je ferai let's play. Il y a juste les quêtes annexes que je n'ai pas faites. Sauf quelques-unes. Dans le genre trouver quelques quarts de cœur. Sinon, non. Je n'ai pas pensé. Enfin, je n'ai pas trouvé d'autres trucs. J'ai rushé un peu le jeu. Donc voilà. C'était pour vous dire ça. Le let's play fera je ne sais pas combien d'épisodes. J'ai regardé quelques let's play de certaines personnes. Par exemple, Léo Zangdar a fait un let's play. Pas fini parce que je ne sais pas pourquoi. Star News System aussi. Bon, je vais pas vous dire plus, hein. Mais bon, j'ai regardé ces let's play là, pas entier, juste dans les moments où j'étais bloquée. Et voilà. Et je pense que ça fera environ 30 épisodes. Parce que c'est comme ça dans pratiquement tous les let's play. Enfin, 30 épisodes. Je veux dire 30 épisodes pour l'histoire. Après les quêtes annexes, je pense que j'en ferai 5 épisodes de plus, je pense. Donc voilà. C'était pour vous, il y a ça. C'est la fin de ces infochocs. Donc, je vais enlever le jeu. Je vais vous montrer aussi, parce que du coup, c'est pas sur Game Boy que je vais jouer. Et oui, c'est sur les DS à l'ancienne. C'est une DS Lite, c'est celle de Killer. Il a bien aimé me la prêter. Donc, je vous la montre. Essayez de ne pas vous moquer, s'il vous plaît. Ce serait quand même assez généreux. Je ne supporterai aucune insulte dans les commentaires. Donc, voilà, c'est une DS. Comme ça, voilà. Et si on retourne, il y a un petit lapin crétin comme ça qu'il a décidé de coller. C'est un lapin crétin arabe comme on peut voir. Donc imaginez hein, les lapins crétins de base, ça fait bon. Alors imaginez, ça fait un peu ça. Bon, je vais pas me moquer plus, mais bon, c'est assez ça. Donc voilà. Donc je vais sur cette DS qui est quand même. Donc, qui bug un peu, enfin qui bug, j'ai du mal avec le bouton R, il bug, donc pour rouler, parce que c'est une de ces particularités de ce Zelda, enfin particularité, ça existe après dans ceux qui sont arrivés après, mais dans le tout premier Zelda, on pouvait pas rouler, donc voilà. C'est fini pour ces infochocs, maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter, dire ce que je souhaite bien, ce que je souhaite pas bien. Partagez, mettez en favori, abonnez-vous si vous le souhaitez. Et je vous dis, ciao!
Ciao tout le monde, à la prochaine. Bye bye.